Voilà. Pour commencer, est-ce que vous avez des questions sur le cours, les examens ou sur ce qu'il fallait faire pour cette fois-ci sur Moodle? Bien sûr, on aura donc une interro en décembre. Non, l'interro en décembre, elle est annulée. J'ai demandé justement ce qu'il enlève du calendrier pour que ce soit plus clair, mais il n'y aura pas d'interro en décembre. Donc maintenant, c'est vraiment juste 20% la cotation permanente sur Moodle et directement 80% l'examen de janvier. Et statique, on aura un examen de janvier. Alors, l'examen de janvier sera tout. Donc le SI, la statique, la cinématique, la dynamique, l'énergétique. Et par contre, les points bonus, ça ne change pas. Tout ce que vous avez fait sur Moodle qui a été mis avant tout ça, donc jusqu'à la cinématique incluse, si vous faites tout, vous avez jusqu'à 2 points bonus. Si vous faites environ la moitié, 1 point, etc. L'interro, on s'est juste dit qu'on allait l'enlever pour 2 raisons. La première, c'est que c'est beaucoup de temps à implémenter si on est obligé de la faire en distanciel, pour être sûr qu'elle vaille quelque chose. Et l'autre chose, c'est que le but de cette interro, c'est normalement de vous aider à vous mettre dans le bain, que la statique soit vraiment acquise avant de passer à la dynamique. Et donc là, on se disait, faire une interro sur la statique, alors que vous avez déjà vu la dynamique et plein d'autres choses, et que 2 semaines après, vous avez votre examen, on voyait pas trop l'intérêt en fait. Ce qu'on va peut-être faire, c'est vous proposer de ceux qui veulent passer l'examen de janvier la dernière semaine de décembre. Mais sur base volontaire, hein, c'est juste, voilà, comme vous avez dû travailler toute l'année sur mécanique, peut-être que vous n'avez pas besoin de la session pour étudier, ça vous permettrait de vous alléger la session et nous aussi. Mais ça, il faut que je voie encore avec la directrice. Bonjour. Bonjour. Ça va, c'est clair pour Monsieur, les l'évaluation? exa... Monsieur, les examens, ça a pris les vacances ou c'est avant les vacances? Après. Ok. Normalement, de base, la session d'examen, c'est les 3 premières semaines de janvier. Ça sera en présentiel, c'est ça? On ne sait pas, on saura le 10 décembre. Et si c'est pas en présentiel, ça sera oral ou... Pour le cours de mécanique, ce sera 100% un oral. Ok. Donc, ça se passera un peu comme on a ici. Je vous présente un problème. Et je vous dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Et vous allez me dire, ah, bah, je vais mettre un système d'axes et je vais vous demander bah, lequel, vers le haut, vers le bas, je vais le dessiner. Et puis, je vais vous demander qu'est-ce qu'on fait ensuite. Ah, mais on met les forces et là, vous me dites quelles forces vous mettez, etc. C'est vraiment Donc comme ça. quand je pose des questions en cours. Du coup, il y aura moins de calculs parce qu'on ne peut pas vous faire un examen de 2 heures non plus en oral. Vous êtes quand même 240, donc ça prend un peu de temps. Mais donc, il y aura un peu plus de questions de compréhension. L'un dans l'autre, on a fait des simulations avec les collègues et ça donne plus ou moins le même point, à 1 point ou 2 près maximum, donc ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que l'énergétique, ce que vous avez dû préparer pour cette semaine-ci, c'était clair pour vous ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur la conservation de l'énergie ou quoi? Ok, alors j'ai une question pour vous. Faire le livre de cette semaine-ci, ça vous avait pris combien de temps? Combien de temps ça nous a pris pour l'exercice? Pour faire tout ce qu'il fallait faire en mécanique pour aujourd'hui, donc les exercices, les vidéos, enfin le temps que ça vous a pris pour le finir de votre point de vue. 4 heures. Moitié de... Enfin, une moitié de la journée. Ok. Et à Tim, t'as dit combien? Pareil, la moitié de la journée. Ok, ça marche. Comme ça me donne des idées. Comme c'est la première fois qu'on fait ça, c'est assez dur à chaque fois d'estimer le temps que ça prend pour chacun. Donc ça m'intéresse, comme ça on essaie chaque fois de mieux viser. Ok, bon. Ben c'est parti alors. Alors je ne vais pas faire les exercices dans l'ordre, vu que vous avez suivi le livre, j'aimerais bien commencer par cet exercice-ci. Donc dans cet exercice, vous avez une rivière sauvage. Donc comme si vous étiez à Walibi,
qui est un parc d'attractions en Belgique, pour ceux qui ne savent pas. Et vous avez ici une barque qui descend. Et la première partie de l'exercice, c'est on vous demande juste, OK, si on suppose qu'il n'y a pas de frottement avec la surface ici, à quelle vitesse est-ce que j'arrive ici en bas? Autrement dit, je pourrais définir trois moments. Le moment où je suis en haut, le moment où je suis en bas, et puis un troisième moment ici dont je reparlerai après. Et donc, quelle est ma vitesse au point 2? Comment est-ce que vous feriez ça? E1 est égal à E2. C'est ça. Et pourquoi? Parce que ça part d'une énergie gravitationnelle à une vitesse sur une distance. Ouais, alors le pourquoi de ceci, c'est parce qu'il n'y a justement pas de force extérieure. J'ai conservation d'énergie s'il n'y a pas une force qui fait un travail. Sinon, j'aurais cette formule-là plutôt. Ça, ce sera pour la deuxième partie, où j'ai ici, avec l'eau, des forces de frottement qui créent un travail. Donc, les fois où on a conservation d'énergie, E1 égale E2, c'est quand il n'y a pas de force extérieure. Dès qu'il va y avoir une force extérieure, alors je dois ajouter le terme du travail. Et tu avais raison en disant que E1, on a juste une énergie potentielle, M fois G fois H, et en E2, on a juste une énergie cinétique, 1,5 MV2 au carré. Alors attention, si j'écris H ici, il faut que je définisse où est mon énergie potentielle 0. Et là, elle est où? Vers le 2. Exactement. Elle est au niveau du 2. OK, avec ces trois équations, je peux donc écrire E1, c'est MGH, est égal à E2, c'est 1,5 MV2 au carré. Et donc, ici, j'ai V2 au carré qui vaut 2GH. D'accord, j'ai simplifié les M et j'ai passé le 1,5 de l'autre côté. Et on trouve que V2 est égal à racine de 2GH. Si je remplace tout ceci par mes valeurs, je tombe sur 13 mètres par seconde. Alors ici, ce qui est intéressant à regarder, c'est que dans ma formule, j'ai juste dit « je suis à une certaine hauteur et je descends ». Peu importe que vous descendiez de là, quasi en ligne droite, ou de là, quasi comme ça, ou de là, dans tous les cas, tant que vous partez de la même hauteur ici, vous arriverez à la même vitesse en bas. C'est pour ça que c'est génial l'énergétique. Rien qu'avec l'énergétique, on peut comprendre plein de choses très rapidement, en faisant très peu de calculs. Ok, ça c'était le petit a. Maintenant, on s'intéresse à la deuxième partie, où cette fois-ci, on a des forces extérieures. Donc j'ai ma barque qui arrive ici, et qui va s'arrêter plus loin. Si elle s'arrête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a dû la freiner. Et donc, on va regarder un peu ici, on va repasser en dynamique. Quelles sont les forces qui agissent sur ma barque, d'après vous? Pas une force de frottement. Il y a une force de frottement, dans quel sens? De faire le sens gauche. Et pourquoi? Bah, elle tape l'eau. Comment dire? La force de frottement, c'est toujours opposé au déplacement. Donc si je suis en train de me déplacer vers la droite, ma force de frottement, elle va vers la gauche.
Voilà, je m'amuse à vous poser plein de questions comme ça, parce que justement, si c'est un oral, c'est typiquement le genre de questions qu'on posera à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Ah, donc chaque fois qu'on donne une réponse, vous allez demander pourquoi. Ouais. Alors, il y a des cas où c'est très important que vous sachiez me répondre pourquoi, il y a d'autres cas où c'est moins important, hein. Mais typiquement, je vais vous demander toujours pourquoi. C'est en ça que je dis. C'est important que vous soyez quand même préparé mentalement à ce qu'il y ait un oral et que vous essayez de prendre un maximum la parole en classe pour bien vous préparer à ça. Parce qu'à un écrit, vous êtes habitué normalement avec le livre à le faire par écrit, à essayer de résoudre vous-même les exercices. Eh ben, j'espère que pendant les cours, comme ça en live, vous êtes un peu habitué à ce que ça, comment ce sera à l'oral avec mes questions, ce que j'attends comme réponse, etc. Comme ça, les deux se complètent. Là, on a le chapitre énergétique. On entame le dernier grand chapitre. Cette semaine-ci et la semaine suivante, on fait de l'énergétique. Et la dernière semaine, on va faire la conservation de la quantité de mouvement. Et puis ce sera déjà fini. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force sur ce bateau? Il y a le pot du bateau. Il y a le poids du bateau. Il y a sa norme. Alors, attention, la norme, c'est quand il y a un vecteur, il a un sens, une direction, et il a une longueur. Il y a un synonyme pour longueur, pour les vecteurs, c'est la norme. Donc, la norme, c'est vraiment la longueur d'un vecteur. 5, 10, 0,3. Ici, ce n'est pas n comme norme, c'est n comme normal. Ah, d'accord. Normal, ça veut dire perpendiculaire. Hop, ici. Ah, juste pour une petite discussion comme ça, est-ce que quelqu'un a une idée de c'est quoi le vrai nom de cette normale ici? Le vrai phénomène physique qui fait que le bateau il est tenu vers le haut? C'est la réaction de l'eau, non? Ouais, est-ce que tu sais comment elle s'appelle la réaction de l'eau? La poussée d'Archimède, ça vous dit quelque chose? Non? Ok. Alors vous verrez ça dans d'autres cours. C'est pas le but du cours de mécanique. Ici, on va pas faire tout ce qui est mécanique des fluides. La poussée d'Archimède, c'est ce qui fait que vous flottez. Comment ça marche? Donc là, c'est plus pour votre information générale, hein. Je vous poserai pas de questions comme ça. Comment ça marche? C'est lié au volume d'eau déplacé. Donc plus vous déplacez un grand volume d'eau quand vous vous enfoncez dans l'eau, plus vous êtes repoussé par cette eau vers le haut. Et donc, c'est pour ça que par exemple un iceberg, pour flotter, il a un grand volume immergé. Pour contrebalancer son poids, il faut qu'il bouge beaucoup d'eau, donc il faut qu'il ait beaucoup de volume sous l'eau. C'est aussi pour ça que par exemple, si vous mettez votre main quand vous faites la vaisselle dans une casserole, une grande casserole, et vous essayez de l'enfoncer au fond, comme vous déplacez tout le volume d'eau de la taille de la casserole, eh bien, il faut une grande force pour réussir à l'enfoncer. Ça, c'est la poussée d'Archimède. Maintenant, ici, peu importe son origine physique, vous savez qu'avec votre barque, vous êtes en train de flotter. Et donc, d'office, la poussée d'Archimède, elle doit être équivalente au poids. Et donc, c'est un peu comme la normale. On parle plutôt de normale quand on est sur des appuis, comme un sol. Maintenant, ici, pourquoi pas garder ce même nom? Voilà, physiquement, c'est la poussée d'Archimède, mais en termes de calcul des forces, de calcul de ce que vaut la normale, ce sera exactement la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres forces sur cette barque? On a tout mis. On a tout mis, oui. Ça, c'est d'office la question que je vais vous poser aussi à l'examen. Hein. Si c'est pas moi qui décide quand on a mis toutes les forces, c'est vous qui me dites, voilà, là c'est fini, on peut avancer à la suite.
Ok. Donc là, on a fait le B. On a mis les forces sur le bateau. Maintenant, on peut faire le C. Alors, le C, ça demandait mon bateau, il parcourt quelle distance ici? Quelle est la distance D parcourue par le bateau avant qu'il soit complètement à l'arrêt? Comment est-ce que vous feriez cela? Le travail est égal à la force fois D. Le travail est égal à la force fois D. Comme ça? Fois cosinus l'angle. Ouais, moi je préfère qu'on écrive que c'est, pour bien se rappeler que c'est le produit scalaire, mais bon, tu peux m'écrire tout de suite FD cos theta. Mais soyez bien attentifs, soit vous m'écrivez la force fois le déplacement fois le cosinus, soit vous m'écrivez que c'est le produit scalaire entre deux vecteurs. Mais donc, faites pas un mélange des deux. Écrire ceci, mais donc là, tu as très bien corrigé, hein. Écrire ceci, c'est faux, évidemment, hein. Parce que là, il manque le cosinus de l'angle, ou alors il manque les vecteurs. Ok, ma force, c'est laquelle de force ici? Force de frottement. Oui, c'est elle qui fait un travail. Ah, à votre avis, pourquoi la normale, par exemple, ne fait pas de travail? Moi, je dirais qu'elle n'est pas sur le même axe que ce sens de mouvement. Exactement. Si vous regardez le travail de la force normale, on aurait N fois D fois le cosinus de l'angle entre mon déplacement et la normale qui est comme ceci. L'angle ici, c'est un angle droit, c'est 90 degrés. Et cosinus de 90, ça fait 0. Et donc, dans les vidéos introductives que vous avez dû faire pour le libre, j'en parlais pas, mais c'est pour cette raison-là que la normale, en fait, on n'en prend jamais compte. Parce que par définition, le mot normal, ça veut dire c'est perpendiculaire. Et donc, ça va être une force qui ne crée pas de travail. Rappelez-vous, le travail, ça augmente ou diminue l'énergie. Ben, ici, on ne gagne pas de vitesse et on ne perd pas de vitesse à cause de la normale. Et donc, elle ne joue pas. Pourquoi on ne prend pas en compte le poids? Parce que lui, on le prend déjà en compte quand on parle de MGH. Et ici, on voit qu'on reste à la même hauteur, et donc on ne va pas en prendre compte non plus, donc il reste juste la force de frottement. En soi, chaque fois qu'il y a une force, il devrait y avoir un travail. C'est juste que la plupart, elles sont perpendiculaires ou déjà prises en compte. Et donc, quel est l'angle entre les forces de frottement et le vecteur de déplacement? C'est pas 180. C'est 180 degrés. Moi, je vous conseille, mais ce n'est pas obligatoire, de dessiner le vecteur déplacement pour ne pas vous tromper, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Ok. Cos 280, ça fait combien? Moins 1. Moins 1. Donc, ceci, ça fait moins la force de frottement fois D. Donc là, mon travail, il est négatif. On va perdre de l'énergie à cause des frottements. Ok. Alors D, c'est mon inconnu. Mais que vaut les forces de frottement? Que valent les forces de frottement plutôt? C fois N. Ouais. Donc ici, mes forces de frottement valent mu C fois N. Pourquoi mu C et pas mu S? Parce qu'on est en dynamique, on est en mouvement. Ouais, exactement. Alors, mu C, c'est 0,43. On vous le donnait dans l'énoncé. Il est là. Et comment est-ce qu'on peut trouver N? En statique. Oui. Et comment est-ce qu'on le trouve en statique? G est égal à N. Ouais. Donc ici, là, n'oubliez pas qu'on a un cas simple, donc on va le faire de manière un peu plus compliquée pour que ça marche dans tous les cas.
Ici, il faut trouver n et donc il faut résoudre les forces sur mon schéma. Donc ça veut dire un système d'axes. Et ici, on va regarder selon y. Et selon y, tu as raison, c'est de la statique. On ne va pas commencer à s'envoler ou quoi. Et donc selon y, j'ai n moins p égale 0. Et donc j'ai n égale p, et p c'est mj. Donc là, j'ai deux résultats. J'ai ici ma force de frottement qui vaut 0,43 fois n. Et j'ai n qui vaut mj. Je peux donc résumer. La force de frottement est égale à 0,43 fois mj. J'ai une question. Oui. Par exemple, sur l'exercice qu'on a fait, enfin, qu'on devrait faire chez nous, il y avait un plan incliné. Et du coup, ça nous a créé py et px. Et je vois pas pourquoi on ne doit pas utiliser px avec avec le travail. On a utilisé que le force de frottement. Alors parce qu'en fait, px, tu en prends déjà en compte avec ceci. Tout ce qui est énergie liée au poids est pris en compte dans l'énergie potentielle de gravité ou de pesanteur. Oh, ok. C'est quelque chose que je montre dans la toute dernière vidéo. Il n'y avait pas d'exercice dessus où je montrais que mgh, c'est le travail du poids. Je ne sais pas si tu as regardé ça. J'ai regardé que le début, je n'ai pas terminé. Ok. Bah, en gros, très rapidement, si je pars de cette position-ci et que je vais à cette position-ci, d'accord? Ouais. Mon poids, il va comme ça. Oui. Et mon déplacement, je vais l'appeler H, d'accord? Et il va comme ça. Alors, tu peux regarder le travail du poids. C'est égal à la P produit scalaire avec H. Ça, c'est P fois H fois cosinus de 0 degré, puisqu'ils sont dans le même sens. Si je vais trouver, tu le lis. Hein. Et donc, ça fait P fois H. Et P, c'est mg. Ah, ok, et c'est donc, bon. Tu retrouves ici le travail du poids. C'est juste que c'est tellement classique. Le poids, il est toujours là. Tu vois, t'as rien qui, dans ce qu'on va considérer, qui a une masse nulle, et donc qui n'a pas d'énergie potentielle due à son poids. Et donc, on le met tout de suite dans les énergies. Ok, oui, je vois quoi. Voilà. Et donc, chaque fois ton poids, tu ne vas pas le considérer. Ok, merci monsieur. Pas de souci. Parce qu'il est déjà considéré, en fait. Tu as déjà fait tes calculs avec MGH. Ah. Ok. J'ai donc ma force de frottement ici qui vaut 0,43 fois mg. Et donc si je résume, le travail de la force de frottement, c'est moins 0,43 mg fois d. D'accord? Ça, c'est la force de frottement. Et bon, et ça, c'est d. Ça va, donc j'ai juste remplacé ici la force de frottement par ce qu'on avait trouvé. On peut le calculer, non? Alors, on pourrait le calculer, mais D, c'est une inconnue. Et moi, ça m'intéresse de ne pas enlever le petit M maintenant. Ok. Mais on va voir. Donc, si je continue le C. J'avais trouvé quoi? J'ai trouvé que le travail, c'est égal à moins 0,43 mgd. Ok. J'étais ici au point 2, j'allais au point 3. Qu'est-ce que je peux faire avec ce travail? Monsieur, la masse elle est donnée. La masse elle est donnée. 500 kilos. Et ce que je cherche, moi, c'est le D ici, ou le D là. La distance qu'il a fallu pour arriver à une vitesse de 0.
Pourquoi est-ce que vous vouliez travailler, calculer le travail? C'était pour trouver la distance. Ok. Et comment est-ce que vous allez pouvoir employer le travail pour trouver la distance? On l'emploie dans la formule E1 plus travail C'est ça. Est égal E2. Après, on essaie de trouver 1 et... C'est ça. Alors, pour être plus exact, ici, ça va être l'énergie au point 2, hein, puisque en 1, on était là. Plus le travail pour aller de du point 2 au point 3. Alors, vous n'êtes pas toujours obligé de l'écrire comme ça, mais est égal à l'énergie en 3. Donc, j'avais une énergie au point 2, ici. Je perds de l'énergie avec l'effrontement avec l'eau pour arriver au point 3. Alors ici, j'ai trouvé voilà mon travail là. Reste à trouver que vous au 2. Quelle était mon énergie quand j'étais au point 2? C'était 1 demi MV2 carré. Exactement, ça va pour tout le monde? Si, j'ai une question. Oui. Je voulais dire, vu que là, l'énergie potentielle, c'est zéro, on ne le considère pas ou... Je sais pas si... Oui, bah ici, en fait, tu vois que tu restes à la même hauteur des deux côtés. Et donc, tu ne vas pas devoir considérer l'énergie potentielle parce qu'elle ne va pas changer. Toi, l'énergie potentielle, c'est quand tu as une différence de hauteur. Par exemple, ici, tu étais en haut à une hauteur H, tu arrives à une hauteur 0. Ici, comme tu restes tout le temps à la même hauteur, on ne va pas le considérer. Ok. Et donc l'énergie en 3, qu'est-ce qu'elle vaut l'énergie en 3? Un demi fois m fois v3 au carré. Ok, mais est-ce qu'on pourrait pas déjà savoir ce que c'est v3? C'est 0. C'est 0, puisqu'on demande... On demande qu'en position 3, c'est justement le moment où on s'est arrêté. Donc là-bas, il n'y a plus d'énergie. Votre barque, elle est à l'arrêt. Et donc, je peux prendre tout ça pour écrire que E2 plus le travail est égal à E3. Sachant que E2, c'est 1 demi MV2 au carré. Le travail, c'est moins 0,43 MGD. Et E3, c'est 0. Alors là, vous pouvez voir pourquoi j'avais décidé de ne pas calculer ça. Parce que je savais que j'allais pouvoir simplifier les masses. Et j'avais envie de vous le montrer. Que dans ce problème, peu importe la masse du bateau, ça va freiner sur la même distance. Si jamais je calcule et que je n'envisage pas de, que je pourrais le barrer après, ça résout comme l'exercice. Oui, sans aucun problème. Okay. Sans aucun problème. Maintenant, le fait de garder le plus longtemps les symboles, ça vous permet parfois de simplifier les calculs et aussi de vous rendre compte un peu plus de ce qui se passe. Et donc, moi, je vais essayer de rarement le faire en classe. Comme ça, je peux vous montrer ici tout de suite, ah, regardez, bah, la masse, ça se simplifie et donc elle ne rentre pas en compte. Alors que si on avait remplacé par des valeurs, on aurait vu des différences. On n'aurait pas vu que ça simplifiait. Je vais y arriver. Non, mais je vois. Donc c'est plus à but pédagogique ici pour vous apprendre un maximum avec ces équations. Et qu'en soi, si jamais on vous demande, tiens, ça mettrait combien de temps pour freiner, vous ne devez pas vous dire, ah bah non, il me faudrait la masse, sinon je ne sais rien faire. Bah si, en fait, vous savez vous en sortir sans avoir la masse du bateau. Mais on vous la donne. Donc si pour vous, ça vous aide, à l'examen, vous me dites, ah monsieur, là j'ai rien bien calculé, ok, on le calcule, je le mets et on avance comme ça. C'est pas une erreur tant que vous arrivez au bout. Ok, monsieur. Donc ici, je vais remplacer, j'ai 1 demi V2, on l'avait trouvé, c'était 13 mètres par seconde. Ça va être 13 carrés, moins 0,43 fois 10 fois 10. Et donc, je vais isoler mon dé pour le trouver. Donc, à gauche, j'ai gardé moins 1 demi, 13 au carré. Ici, j'ai une soustraction.
Donc si je vais passer de l'autre côté, ça devient une addition. Donc ça devient 0 plus 0,43 fois 10 fois D. Maintenant, j'ai que des produits ici. Et donc si je fais passer ça de l'autre côté, ça devient des divisions. Et donc je vais avoir ici. Alors pour que ce soit un peu plus facile à lire, je vais transformer le 1/2 en 0,5 fois 13 au carré. Donc ça, c'est le même nombre de gauche. Et je fais passer le reste qui devient une division. Et là, j'ai ma réponse. D, c'est égal à... Alors, on va taper ça à la calculette, comme ça je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. Magnifique, j'en ai pas fait. 19,65 mètres. Donc si je prends une barque, que je la lâche de 8,45 mètres en hauteur, qu'elle arrive dans l'eau, et que l'eau... un coefficient de frottement cinétique de 0,43, ben je mets environ 20 mètres pour m'arrêter. Peu importe la masse de la barque. Peu importe de ce qui s'est passé avant la hauteur. Encore une fois, si je lâche ma barque ici et qu'elle tombe comme ça, ça va donner la même chose. Pareil d'ici. Je vais toujours mettre 20 mètres pour m'arrêter, peu importe la pente avant. Et il reste le petit d. On vous demande, d'après vous, quelle est la décélération subie par les personnes dans le bateau. Alors là, il y a plusieurs manières de s'en sortir. Le plus simple, c'est de se rappeler, ben tiens, je cherche une accélération. Quand je vous parle d'accélération, il y a une formule qui doit vous venir tout de suite en tête. Et c'est laquelle, d'après vous? C'est M fois A, non je crois. C'est la somme des forces. La somme des forces égale à M fois A. À M fois A, exactement. Ici, mon accélération, elle va par là, entre guillemets, ou plutôt par là, puisque je suis en train de freiner. Et qu'est-ce que j'ai comme force dans ce sens-là? J'ai la force de frottement. Et donc, en fait, ici... ce qui m'intéresse, ce sont les forces selon X où je suis en dynamique. On avait vu tantôt que j'étais en statique selon Y, en dynamique selon X. Et donc si je projette selon X, j'ai moins la force de frottement égale moins la masse fois l'accélération. Pourquoi moins? Parce que vous voyez ici que mon vecteur, je l'ai mis vers la gauche. La force de frottement, on avait déjà trouvé ce que ça valait. Ça valait, je vais enlever les moins, puisque j'ai des moins des deux côtés, ça valait 0,43 fois mg. C'est ce qu'on avait trouvé au slide avant, vous voyez, la force de frottement ici. Égal à ma, et donc j'ai que a est égal à 0,43 fois g. J'ai encore une fois pu simplifier les masses. Et je tombe sur 4,3 mètres par seconde au carré. Alors vous voyez que dans la réponse, il y a un moins ici. Ça, c'est une question de convention. Il y a des gens qui considèrent qu'une accélération, c'est positif quand on accélère et c'est négatif quand on décélère. En soi, la réponse la plus correcte, ce serait de donner ça en termes de vecteur. Le vecteur A, il va vers la gauche, donc c'est un moins, et il a une taille de 4,3. Ça, c'est la réponse la plus correcte possible. Parce que rappelez-vous, quand on écrit A habituellement, c'est la norme. Et une norme, c'est la longueur d'un vecteur, et donc ça devrait toujours être positif. Mais mettre le moins ici, il y a certains profs qui aiment bien le mettre pour dire « Ah, mais c'est une décélération, ça s'oppose au mouvement. » Et donc nous, on accepte les deux. Que vous me mettiez 4,3 ou moins 4,3, ça me va. Par contre, soyons clairs, si on vous demande le vecteur A, alors là, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Le vecteur A, c'est moins 4,3, 0.
parce que mon vecteur A il va s'opposer au mouvement. Ça va pour tout le monde? Voilà, ça c'est un exercice vraiment simple d'énergétique avec du travail. C'est vraiment le classique avec très peu de formules, etc. Vous voyez qu'il y a moyen de le rendre plus vite compliqué comme vous avez eu dans le libre. Dans le libre, typiquement, ce qui était plus compliqué, c'était que vous deviez trouver cette force de frottement. Et cette force de frottement, c'était pas égal, enfin c'était égal à muc fois n, mais pas égal au poids simplement, puisque j'avais quelque chose comme ça, avec n qui vient là, p ici, et donc n était compensé par py. Et c'est là que je dis que le cours, il faut essayer de pas se faire larguer, parce que la nouvelle matière, c'est vraiment être capable de dire la conservation de l'énergie quand il n'y a pas de travail. Ou alors ben, l'effet d'un travail sur la conservation d'énergie ici, E2 plus W égale E3, ça c'est la nouvelle matière. Une grande partie du reste, c'est des rappels de dynamique, c'est des rappels de statique, mais toujours l'un avec l'autre. Très souvent, vous allez avoir dans le travail des forces de frottement. Qui dit force de frottement, dit calculer la normale. Qui dit calculer la normale, dit être à l'aise avec la statique. Ça va donc, si ces parties-là vous posent encore problème, calculer des normales sur des plans inclinés et tout, retravaillez ça absolument pour que vous puissiez vous concentrer sur la nouvelle matière. Je donnais pas mal de cours à un moment de rattrapage en secondaire, et le plus gros problème de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils comprennent la nouvelle matière. Mais comme ils ont des lacunes sur les anciennes, ils n'arrivent pas à faire les exercices, mais pas à cause de la nouvelle matière, à cause des reliquats de ce qui se passait avant, qu'ils doivent toujours réussir à faire. C'est un peu comme ici, quand vous avez du mal avec les équations du premier degré. C'est pas de la nouvelle matière. Mais ça vous pose quand même problème, ça vous empêche d'arriver à la réponse finale, ce qui est dommage. Donc, soyez conscient de ça, et n'ayez pas peur à aussi simplement se dire à un moment, bon bah là, j'y arrive pas du tout, je vais faire des exercices. Regarder des vidéos d'il y a 2 semaines, 1 mois, mais juste pour être sûr de ne pas accumuler du retard. Ok. Vous nous dites quand il faut considérer qu'il y a des forces de frottement et quand il ne faut pas les considérer. Oui, on vous le dira toujours, ça. Okay. Toujours, toujours, toujours. C'est... De manière générale, c'est simple. Hein. Si on ne vous donne pas mu S et mu C, il y a très peu de chances que vous deviez les prendre en compte. Mais on vous le dira toujours, de les négliger ou pas. Ici, c'est ce qu'on disait. Hein. Tout, 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 tout. Voilà. Toi, on disait, on néglige les frottements dus au plan incliné. Donc ça, c'est le plan incliné. Et par contre, il y a un frottement de l'eau ici. Donc là, il y a un frottement. Ici, pour aller un peu plus vite en classe, souvent, je ne vous lis pas tout l'énoncé d'un coup parce que c'est un peu long. Et je pars tout de suite. Mais on vous dit bien dans l'énoncé chaque fois ce qu'on attend de vous. Ok. Alors, on va faire un long exercice maintenant. Qui va nous prendre jusqu'à la fin de l'heure, je pense. On va rester à Walibi. Imaginez que vous devez construire une attraction. Et pour vous, ce qui est important, c'est que vous ayez un petit chariot ici. Qu'on lâche. Il va donc prendre de la vitesse. Et puis, il doit réussir un looping. Et ici, on a envie qu'il décolle. Vous voyez qu'il ne descende pas comme ça, mais qu'il parte vraiment piou, comme ça. Donc, pour votre attraction, vous voulez quoi? Un looping, un saut. Pour ça, il faudra une certaine vitesse. Vous doutez bien que si j'arrive très doucement, mon looping il va juste ressembler à vup, et puis on va redescendre. Et si je vais doucement ici, ben on va juste suivre le long. Et donc, vous aimeriez bien savoir à quelle hauteur je dois me mettre ici en position 1 pour avoir suffisamment de vitesse ici et ici
pour faire mes cascades. Ça, c'est la motivation derrière ceci. Alors, comme d'habitude, hein, vous allez avoir donc le moment 1, le moment 2 et le moment 3. Et puis à la fin, ici, mon moment 4. Donc, la première question, ce serait de savoir, tiens, quelle est la hauteur que je dois avoir ici en H pour réussir le looping? Et dans cet exercice, on va considérer qu'il n'y a pas de force de frottement. Juste, on est dans un monde idéal, sous les rails, avec l'air, aucun frottement. Comment est-ce que vous feriez donc pour trouver ça? Alors, ça m'étonnerait que vous trouviez tout, mais il y a quelques étapes déjà que vous pouvez avoir une idée de comment vous allez faire. Donc, d'après vous, comment est-ce que je pourrais trouver la hauteur qu'il me faut pour réussir mon looping en deux? Bien sûr, le poids aussi, il n'est pas important. Le poids? C'est ça que tu dis? Je suis pas sûr de t'avoir bien compris. Tu disais ici le poids est pas important, c'est ça? Alors, il est très important. Il va rentrer dans quoi, d'après vous, le poids? Dans les frottements avec le sol. Il n'y a pas de frottement ici. Ok. Donc, la masse fois la vitesse au carré, non? Et pourquoi tu veux faire la masse fois la vitesse au carré? Alors ici, ça va devenir un réflexe. Mais la première chose que vous pouvez vous dire, c'est qu'il n'y a pas de force extérieure. S'il n'y a pas de force extérieure, donc pas de frottement en fait, hein, j'ai conservation de l'énergie. Ça, c'est la première chose que vous pouvez vous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon énergie au point 1 va être égale à l'énergie au point 2. Reste à trouver l'énergie au point 1 et l'énergie au point 2. Elle vaut quoi l'énergie au point 1? M fois G fois H. Ok, et pourquoi? Pourquoi pas un demi MV carré par exemple? Parce qu'on a une, on est en hauteur et on a un H qui varie. On a un H qui varie, mais aussi simplement parce qu'on commence tout en haut à une vitesse nulle. Tu commences ton attraction bien attachée en haut, on vient de te lâcher, tu n'as pas encore eu de vitesse. On pourrait vous faire un exercice où on commence avec une vitesse. C'était le cas. Est-ce que c'était le cas? Oui, c'était le cas avec la masse qui descend. C'était pas la même chose avec le prof qui voulait risquer sa vie. Oui, avec le prof qui a risqué sa vie. Ce qu'il disait, c'est que il était comme ça et il avait mis le pendule avec la boule là. Là, s'il lui donnait de la vitesse, ça veut dire qu'elle allait remonter plus haut de l'autre côté. Parce que ici, on aurait 1/2 mv² plus mgh. Et l'endroit le plus haut où on monte, c'est quand la vitesse vaut 0. Parce que rappelez-vous, ça c'est la même chose pour dans la littère parabolique. Tant que ma vitesse est positive, je continue à monter. C'est normal, j'ai de la vitesse. Mmh. Et à quel moment j'arrête de monter? Quand ma vitesse vaut 0. Et donc à cet endroit, je suis à mg. Mais un autre H, imaginons ici, chez le prof, il était à 1,7 m. Mais il monterait à 2 m. Et donc c'est ce qu'il disait. C'est que si jamais il donne ici une impulsion, sans faire exprès, qu'il la pousse vers le bas, bah, comme elle va monter plus haut, quand elle va revenir, ça va lui défoncer la tête. Ah, ok. Ouais. Et donc, de fait, ici, on pourrait avoir deux cas de figure. On a le cas de figure où on lâche juste, ou on pourrait avoir quelqu'un qui lance au début.
ça va pas donner la même chose. Donc si vous avez une pente comme ça, vous mettez votre enfant sur une luge et vous avez envie qu'il décolle, bah, il faut le pousser avec une certaine force. Il faut lui donner une vitesse initiale. Parce que s'il n'a pas de vitesse initiale, il va remonter là et il va redescendre. Hop. Alors, pour avoir dit que c'était MGH, rappelez-vous, il faut donner un niveau 0. Ça veut dire que vous avez décidé ici, ce qui est un bon choix, hein, que l'énergie potentielle vaut 0, là tout en bas. Ok, on a trouvé mon énergie en 1. Que vaut mon énergie en 2? C'est 1 demi fois m v au carré. Yes. Alors moi, je vous conseille de chaque fois prendre le réflexe en énergétique, comme on va avoir plusieurs endroits avec plusieurs vitesses, de bien mettre V2 au carré pour pas vous perdre un moment. Est-ce que c'est tout pour l'énergie au point 2 ou est-ce qu'il y a d'autres énergies? Il y a aussi la distance, non, la hauteur. Voilà, on n'est pas ici. Ouais. On est là. Et donc, c'est quoi la hauteur entre ces deux points? 3R. Ça va? Là, attention, il y a souvent la petite erreur de compter ça comme un seul R, mais donc j'ai une fois le rayon ici, et encore ici. Et le rayon, on vous le donne, c'est 17 mètres. Monsieur, moi je vois pas pourquoi c'est 3R. Ok. Tu as choisi un endroit où ton énergie potentielle vaut 0. Donc c'est aussi au niveau du sol. Alors là, tu cherches la différence de hauteur entre là et le point 2, donc quand tu es là-haut. Tu as une fois R ici, parce qu'on te le dit. Et puis ici, ça c'est le rayon de ton cercle. Donc si tu continues à monter, tu as encore une fois le rayon ici, et une fois le rayon ici. Donc au total, tu as trois fois le rayon. D'accord, je vous remercie. Ok. Bah, ici, H, c'est ce qu'on cherche. V2, on ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle une inconnue. Le rayon, on connaît. C'est 17 mètres. La masse, on voit qu'elle se simplifie. Et donc là, j'ai un problème. J'ai une équation. GH égale 1 demi V2 carré plus G3R. Mais j'ai deux inconnus dedans. Et donc, il me faut une équation de plus. Alors, pour cette première partie, normalement, si vous avez bien compris la conservation de l'énergie, ça aurait dû aller. Bon, on est au début du cours. Hein. C'est normal que vous n'ayez pas encore les réflexes. Mais ça va toujours être la même chose. Hein. Tiens, je suis à une certaine hauteur, je descends à une certaine hauteur. Ok, conservation de l'énergie. Ah, il y a des frottements. Bon, bah, j'ajoute le travail. Voilà. Alors ici, on va réfléchir un peu à comment réussir un looping. Monsieur? Oui. Là, on fait par rapport à la position 1. On part de la position 1. Et on essaie de réussir un looping en position 2. Ah, ok. On fait... ouais, okay, okay. Donc, ici, là, je vais un peu vous aider, comme c'est la première fois qu'on fait ça. Votre looping, l'endroit le plus difficile, c'est quand vous êtes en haut. Une manière de le voir, pour vous convaincre que c'est l'endroit le plus difficile, c'est que si je suis ici, j'ai mon poids qui me tire comme ceci, qui est contrebalancé en partie par la normale. Tire vers le bas, c'est un mélange entre cette normale et ce poids qui vient quelque part ici. Et donc la force qui me tire vers le bas, c'est un petit truc comme ça, on va dire.
Alors que quand je suis tout en haut, là j'ai le poids et la normale qui vont dans le même sens. Et donc j'ai vraiment une grande force qui me tire vers le bas. Et donc l'endroit le plus difficile de rester en adhérence sur les rails quand je fais un looping, c'est tout en haut. Si j'arrive à passer ce point, c'est gagné. Et donc quand je cherche ici la hauteur minimale pour réussir à faire mon looping, ben, il faut que j'arrive à faire mon looping à aller jusque là-haut. Si j'y arrive pas, ben, je m'arrêterai ici et je ferai demi-tour après, ou alors je retomberai comme ça. Il y a beaucoup de chances que votre looping, au lieu de faire une belle boucle, vous fassiez quelque chose comme ceci, ce qui fait mal. Et donc c'est pour ça qu'on considère, c'est d'ailleurs ce que vous avez noté sur le schéma, hein, le point culminant, le point le plus haut de mon looping. Alors là, il y a deux manières de s'en sortir. Ici, je suis en train de tourner, et donc j'ai une force centripète. Mais chaque fois qu'on parle de force centripète, il y a deux points d'attaque. Soit le considérer comme une force centripète, soit regarder ça comme une pseudo-force centrifuge. Alors quand on a parlé de la physique de ça il y a déjà un petit temps, hein, c'était à la fin de la cinématique de force centripète centrifuge, j'avais beaucoup insisté sur la force centripète pour bien comprendre ce que ça représentait et que c'était pas une force en tant que telle, mais une résultante de force. Quand je prends la somme de mes forces, c'est une force qui me fait tourner. Mais ça n'a pas une origine physique en tant que telle, c'est lié au problème. Ici, j'aimerais bien parler de la force centrifuge, parce que vous allez voir, ça permet de conceptuellement voir les choses beaucoup plus simplement. Si je réfléchis en termes de force centrifuge, imaginez-vous, vous êtes dans le chariot. Et du point de vue du chariot, bah vous êtes tiré avec le poids vers le bas. Et il y a une force centrifuge qui vous tire vers l'extérieur. Cette force centrifuge, elle peut être plus grande que le poids. Rappelez-vous, la force centrifuge, c'est égal à mv carré sur r. Si je vais très très vite, ma force centrifuge est très grande. Ça, c'est si je vais très vite. Qu'est-ce qui me permet de rester en statique? Parce que, attention, ici, il faut bien que je reste au même niveau, je ne peux pas passer à travers les rails. Ben, c'est que les rails ils vont venir s'ajouter et rajouter une normale ici, qui va s'adapter, pousser de plus en plus fort. C'est cette sensation que vous allez avoir d'être collé. Ici, moi, je ne cherche pas une grande force centrifuge, je cherche celle qui fait que ça marche tout juste. Parce que je cherche ici la hauteur minimale. C'est-à-dire que je cherche la force centrifuge minimale, liée à la vitesse la plus petite possible. Et donc ça, c'est le cas où ma force centrifuge va venir pile poil contrebalancer le poids. Vous pouvez imaginer, hein, si j'ai le poids comme ceci en haut et ma force centrifuge trop petite, ça veut dire que quand j'arrive en haut, je suis trop tiré vers le bas. Si par contre, mon poids et ma force centrifuge sont égales, alors, arrivé en haut, je suis en sorte d'apesanteur et puis hop, tout de suite, je reprends la suite. Et donc ça, c'est la condition pour avoir un looping. La condition, c'est que au minimum, ma force centripète, centrifuge, pardon, doit être égale au poids. Une autre manière de l'écrire, ça veut dire que pour réussir un looping, il faut que ma force centrifuge soit plus grande ou égale au poids. Si c'est plus grand, ça marche aussi. Mais il faut que ce soit au moins égal au poids. Parce que si ça n'arrive pas à vaincre le poids, je tombe. Monsieur, ça, c'est ce que vous avez dit que c'était à hauteur minimale. Et si, par exemple, vous dites à hauteur maximale?
n'y a pas de maximum, en fait. Tu peux aller autant aussi haut que tu veux. La seule chose qui va créer un maximum à un moment, c'est comme je l'ai dit, si ta force centrifuge est super grande, ça veut dire que tu vas avoir une normale ici, une réaction du sol très grande. Et donc, en résistance des matériaux, il faudrait vérifier que tu en demandes pas trop à ton chariot et à tes rails, que tu vas pas casser tes rails en fait avec autant de force. Mais ça, on ne sait pas le trouver comme ça, il faudrait trouver la force maximale que tu peux exercer. Ok. Mais en soi, en théorie, si tu as quelque chose d'extrêmement résistant, tu peux aller aussi vite que tu veux. Ok. Alors, ceci, rappelez-vous la formule de la force centrifuge, c'est mv carré. Alors ici, on est à quel endroit? On est au niveau 2, donc c'est mv2 carré sur le rayon de courbure. Le rayon de courbure, rappelez-vous, c'est si j'ai une trajectoire comme ceci. Okay, on va plutôt la faire plus petite. Trajectoire comme ceci. Là, j'ai pas tout un cercle, mais je pourrais imaginer un cercle avec un certain rayon. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un cercle complet. Juste dès qu'on tourne, eh ben, on peut mettre ça dans un cercle et voir le rayon que ça fait. Ici, bon, c'est encore plus simple. J'ai un cercle complet. Et donc mon rayon de courbure, il vaut R. Donc, je pourrais déjà l'écrire. J'aurai MV2 carré sur R. Et ça doit être plus grand ou égal au poids, c'est-à-dire à MJ. Monsieur, ce que vous venez de dire, en fait, je n'ai pas très bien compris avec le dessin. Donc, ta force centripète ou centrifuge, c'est MV carré sur R. Ça, c'est la formule. C'est assez simple à voir quand tu as vraiment un cercle, où tu as ici R, le rayon. Mais quand tu tournes, tu ne fais pas toujours un cercle complet. Par exemple, si tu imagines un rond-point, ta voiture, elle va arriver, elle va tourner, et puis elle va partir peut-être comme ça. Donc tu vois ici, je n'ai pas un cercle. C'est pour ça qu'on parle du rayon de courbure en disant, bah, oui, mais je pourrais imaginer un cercle ici. Et je vais donc appeler ceci le rayon de courbure. Ok. Le rayon de courbure, c'est le rayon que tu ferais, que tu aurais si tu étais en train de tourner circulairement. Tu peux quitter ce cercle quand tu veux, mais ça va être ça ton rayon de courbure. C'est une valeur qui te dit à quel point ton virage est sec ou pas. Si tu as un très petit rayon de courbure, tu as fait un virage très sec. Si tu as un grand rayon de courbure, tu vois ici mon rayon il part en dehors de la feuille, et bien alors j'aurai un virage très doux. C'est un peu plus clair ou pas? Oui. Ok, super. Et donc, ici, je peux resimplifier mes masses. Tac, tac. Et je trouve que V2 au carré est plus grand ou égal à GR. Ça, c'est la condition pour réussir le looping. Ça vient du fait qu'on demande que la force centrifuge puisse compenser le poids, qu'elle soit plus grande que le poids. Alors vous remarquerez que j'ai gardé le carré. Pourquoi? Ben parce qu'au final, moi ce que j'ai cherché c'était V2 carré, pas juste V2. Et donc tant qu'à faire, autant le garder. Et donc ici, je peux remplacer, j'avais GH égale 1 demi V2 au carré. Plus G3R. D'accord? Je recopie juste ici ce qu'il y avait là. La seule chose, c'est que ici, je vais remplacer par V2 au carré. Mais V2 au carré, c'est plus grand ou égal à GR. Et donc, le moment où on demande que ce soit égal à GR, c'est quand on est à la plus petite vitesse nécessaire. Et donc ici, c'est quand je suis à H min.
Ça va, donc ici j'ai remplacé V2 par GR. Mais V2 il est plus grand ou égal à GR. Quand il est juste pile poil égal à GR, ce que j'ai fait ici, hein, c'est juste pile poil égal à GR, c'est que je suis à la plus petite hauteur possible. Si j'avais mis quelque chose de plus grand que GR, par exemple 2GR, 3GR, 5GR, je serais à une hauteur qui marche, qui n'est pas la plus petite possible, mais qui marche. Mais moi, ce qui m'intéresse ici dans l'énoncé, c'est la plus petite possible. Et donc, on voit ici que je peux resimplifier les petits g, et je tombe sur la hauteur minimale pour réussir mon looping, qui vaut 7,5 R. Ce qui fait 59,5 mètres. Vous remarquerez que là, encore une fois, ça ne dépend pas du poids. Peu importe sur la planète où vous vous trouvez, peu importe la masse que vous avez, donc la planète, c'est pour petit g, hein. Si vous allez sur Mars, petit g ne sera pas le même, vous allez devoir commencer de la même hauteur. Alors, ça ne va pas se passer exactement de la même façon, parce que vous n'allez pas avoir tous les mêmes paramètres dus à la gravité, etc. Mais vous devez quand même partir de la même hauteur pour réussir votre looping. Monsieur, le 7. Tu vas pas trop du sort. Le 7,5 Oui. Donc, je vais recopier ceci, d'accord. J'ai h min égale 1,5 R. Plus 3R. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Ensuite, ici, j'ai des demi. Et là, j'ai. Ici, j'ai des demi. Et là, j'ai pas de demi. Donc, je vais tout mettre avec des demi. Donc, j'ai 1,5 R, ça reste. Et 3. Ah, si okay. Je l'écris en demi, j'ai 6,5 R. Okay. Et ensuite, quand tu as des fractions avec le même dénominateur, tu peux juste les sommer. Non, j'ai 1R plus 6R, ce qui fait 7R. Demi. Ça va? Ah ok, je comprends, monsieur. Pas de souci. Et monsieur? Oui. J'attendais. Ah, vous avez effacé. Ah, je voulais demander si on pourrait calculer sans le demi, genre sans changer le 6 et le 3, pardon. Bah, ce que tu aurais pu faire aussi, c'est de dire que 1,5 R plus 3 R, c'est 0,5 R plus 3 R, et donc ça fait 3,5 R, par exemple. Ou tu aurais pu remplacer tout de suite ici par 17 et ici par 17. Tout marche tant que vous y arrivez. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. Okay. Maintenant, bon, rappelez-vous qu'en maths, vous êtes censé savoir faire ce qu'on appelle un dénominateur commun. Donc, c'est-à-dire passer de ça à ça. Donc, vous devez savoir tout faire. Pour le cours de mécanique, je ne vais jamais vous enlever des points si vous me calculez directement ça à la calculette ou quoi. C'est pas la partie qui m'intéresse le plus tant que vous arrivez au résultat de 60 mètres. Enfin, 59,5 pour être exact. Okay. En maths, on peut vous demander de mettre au dénominateur commun. Et donc là, autant que vous soyez à l'aise avec ça. J'ai répondu à toutes vos questions. On passe au point B. Monsieur, oui. Le R, la valeur de R, on la connaît? Oui, on l'a donné au début, c'était 17 mètres. Ah, ok. C'est même en fait l'une des rares choses qu'on connaît. À part le schéma qui te dit bien, voilà. Ton schéma, en fait, il te dit en fait à quelle hauteur tu te trouves ici, à quelle hauteur tu te trouves ici, quelle est la distance ici, grâce à cette valeur de R, justement. En fait, dit autrement, vous savez déjà que vous voulez que votre looping soit à telle hauteur, vous savez déjà que vous voulez que votre saut soit à telle hauteur, et on vous demande de trouver, du coup, quelle doit être la hauteur initiale. Ok, passons au point B. Le point B, c'est le fait qu'on demande qu'ici, on décolle. Donc mon chariot, il va arriver avec une certaine vitesse et on aimerait bien qu'il décolle. Alors, on va commencer à l'envers cette fois-ci.
On va réfléchir un peu ensemble. Quelle est la condition pour décoller? Si je décolle, ça veut dire qu'il doit y avoir une force, entre guillemets, qui me tire vers le haut. Si j'ai une route bien plate, alors je vais vous poser une question stupide, hein. D'après vous, est-ce que c'est possible que ma voiture décolle si ma route est bien plate, si que ma voiture tout d'un coup saute comme ça? Non. Non. Par contre, si vous roulez vite et qu'il y a un casse-vitesse, c'est tout à fait possible que votre voiture, elle décolle. Donc ça veut dire, regardez ici, qu'il faut que ma route, elle soit avec une courbure, avec un tournant. Ça veut dire que il faut en fait quelque chose qui tourne. Et quand on tourne, c'est ce qu'on appelle des accélérations centripètes ou centrifuges. Donc ce qui vous fait décoller en fait ici, c'est la force centrifuge encore une fois. Force centrifuge qui est égale à mv carré sur r. Et donc de fait, si c'est plat, bah, j'ai pas de rayon. Et donc je ne peux pas décoller. Ici, encore une fois, on cherche la hauteur minimale. Toujours la hauteur minimale. Et donc, on regarde un peu le moment où on commence à décoller. Maintenant, on peut regarder. Mon chariot, il est attiré par son poids. Et s'il est posé sur le sol, il y aurait une normale. Mais imaginons qu'on vienne de décoller, ça veut dire que mon chariot, il ne touche plus le sol en fait. Si vous voulez, il a un micromètre au-dessus du sol. Et donc la seule force qui le tient en l'air comme ça, qui l'a fait tenir vers le haut, c'est encore une fois la force centripète qui compense. Alors, regardons un petit peu. Si j'ai une bosse comme ceci. On connaît la hauteur du chariot à ce moment-là, non? Et il est à 3R. Et vous voulez savoir quoi? Genre, peut-être plus que ça. Répète un peu plus fort. Vous voulez savoir qui? Vous voulez que le chariot soit plus haut que 3R? Moi, j'aimerais bien que mon chariot il décolle à cet endroit-là. Ah, ok. Plutôt que. Tu vois, au lieu de descendre comme ça, j'aimerais bien qu'il descende comme ça. Tu vois qu'il y ait un saut, qu'il ne reste pas collé à la paroi. Ok, ok. J'aimerais bien réfléchir un tout petit peu avec vous. Mon chariot, ce serait possible qu'il décolle ici. J'ai le poids ici, j'ai la force centrifuge là, et donc il faudrait que la composante ici de ma force centrifuge, je vais appeler ça FCY, contrebalance le poids. Et donc vous voyez ici que j'ai qu'une partie de ma force centrifuge qui joue, puisqu'elle est projetée. Comme j'ai qu'une partie de ma force centrifuge qui joue, ça va être plus dur de décoller là, mais ce serait possible. Hein. Je pourrais faire un saut comme ça. Ce sera plus dur de décoller là que de décoller si je suis pile poil au sommet. Au sommet, c'est où c'est le plus facile de décoller. Parce que mon poids et la force centrifuge, ils sont exactement opposés. Et donc, entre guillemets, si vous ne décollez pas en haut de votre bosse, sauf si vous changez très fort de vitesse avant ou après, mais si vous ne décollez pas en haut, ben, vous n'allez plus jamais décoller. C'est vraiment l'endroit le plus tendu de ce point de vue-là. Et donc, pour décoller en 3, il faut que ma centrifuge soit plus grande ou égale au poids.
Si elle est plus grande, en fait, je vais décoller plus tôt. Mais ce n'est pas un problème. Si je décolle plus tôt, dans tous les cas, je décolle. Si elle est pile poil égale, eh ben, je vais tout juste décoller ici. Tout pile, tout pile. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Ou c'est encore un peu flou? Et on en rediscute. Monsieur? Oui? Moi, j'aimerais bien que vous expliquiez, puisque... Ça marche. Donc, la première partie, c'est de se rendre compte que si tu es sur du plat, tu ne peux pas décoller. Il faut quelque chose qui te fasse décoller. Et qu'est-ce qui te fait décoller? C'est dès que tu vas avoir... une bosse. Quand tu arrives ici avec une certaine vitesse, tu as en fait une force centrifuge qui te tire comme ça perpendiculairement à la paroi. Cette force, elle peut avoir tendance à te faire décoller et à ne plus te faire suivre la route. Tu fais un saut. Un peu comme quand tu vois les courses de moto où ils ont des buts comme ça, et ils arrivent en moto, et hop, ils essaient de sauter comme ceci. Ben ça va dépendre de leur vitesse, qui crée une force centrifuge ici. La force centrifuge, elle doit t'envoyer selon Y, en fait, pour décoller. Et donc, ce qui joue de ta force centrifuge, c'est chaque fois sa composante Y. Pourquoi? Parce que cette composante, elle doit contrebalancer le poids qui te fait retenir au sol. Quand il pense pourquoi tu as les pieds sur le sol, ben c'est parce qu'il y a ton poids. Si tu n'avais pas de poids, tu serais en train de voler dans l'air tranquillement. Ce qui veut dire que l'endroit où ta force centrifuge a le plus de chances de tirer vers le haut, où tu as le plus de chances de décoller, c'est quand elle est 100% selon Y. C'est-à-dire le moment... ou avec ta voiture, tu es pile poil au sommet. Alors là, ta force centrifuge, elle est verticale. Tu vois, il n'y a pas besoin de la projeter selon Y. Et donc, c'est là qu'elle est le plus grande et où tu as le plus de chances de vaincre le poids. Parce que si tu vaincs le poids, tu vois que tu as une résultante qui va vers le haut. Et donc, ta voiture, elle va rester en l'air et décoller plutôt que de descendre ici le long. Ceci, on peut l'écrire en disant que ta force centrifuge doit être plus grande ou égale au poids pour réussir à décoller. Sinon, tu restes au sol. Oui, c'est plus clair? J'ai compris. Ouais, ok, super. Merci. Voilà, la force centrifuge, grosso modo, on peut l'employer comme on l'avait vu avant, juste pour savoir, bah, tiens, quelle est l'accélération ressentie quand je suis dans un tournant, ce genre de choses. L'autre chose, c'est les loopings et les décollages. L'avantage, c'est que si vous l'avez compris une fois, c'est toujours la même chose. Il n'y aura pas d'autre exercice que ça. C'est que ce soit un chariot ou un avion, c'est pareil. Si vous avez un avion qui vole, alors attention, je vais essayer de dessiner un avion, c'est pas gagné. Voilà, mon magnifique avion. Si j'ai un avion qui décide de faire un looping, ce sera exactement la même chose. Ok. La même chose qu'au point 2. Hein. Maintenant, bah, il ne reste plus qu'à calculer ça. Donc, c'est quoi la formule de la force centrifuge? Quelqu'un peut me la rappeler? MV carré sur R. Alors, lequel V ici? V3. Ok. Et quel R? C'est 3R, enfin, la distance entre le sol et... C'est ça. Alors moi, pour l'instant, j'écris rayon de courbure, mais comme tu l'as compris... Donc ici, ça, ce qui compte, c'est à quel point c'est pentu. Ça ne va pas être la même chose. Imaginez, vous êtes sur la route... Si vous avez tout d'un coup une bosse comme ça, ou si vous avez quelque chose très lent comme ça.
Là, il y a de fortes chances. Regardez, j'ai un énorme rayon de courbure. Hein. Ici, enfin, j'ai un tout petit rayon de courbure, pardon. Si je le prends plus large de manière générale, j'ai là mon rayon de courbure. Et donc, j'ai une très grande chance de décoller. Alors qu'ici, mon rayon de courbure, on ne le voit même pas. Il faudrait prolonger mon cercle. Ça sort de ma feuille. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai chaque fois écrit R courbure. Il ne faut pas oublier que c'est le rayon de courbure. Ici, ça courbe comment? Eh ben, regardez, j'ai un cercle là de 3R. Et donc, mon rayon de courbure, c'est 3R. Et donc, méfiez-vous parce que souvent, on va employer R pour le rayon dans l'exercice. Ici, mon rayon, c'est 17 mètres. Mais dans ma formule, le R, c'est le rayon de courbure. Et donc, ici, c'est 3R. Ça va, ça pour tout le monde? Prends ça pour un oui. 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 Ouais. Ok, super. Et donc ceci c'est plus grand ou égal au poids. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que V3 au carré c'est plus grand ou égal à G3R. Pour faire ça, j'ai simplifié d'abord les masses ici et j'ai fait passer mon 3R de l'autre côté. Donc là, j'ai ma condition pour décoller. Il faut que ma vitesse au point 3 au carré soit plus grande que g fois 3 fois le rayon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au point B? Au point 3, pardon. Que c'est bien, là j'ai trouvé une condition sur la vitesse, mais comment est-ce que je peux trouver ma hauteur au point 1? E2 est égal à E3 et on met ça au lieu de V3. Alors, c'est pas une mauvaise idée, mais maintenant qu'est-ce qui nous intéresse de trouver? Qu'est-ce qu'on cherche de base? Cherche la hauteur, non? On cherche la hauteur. Et donc, si tu prends E2, tu vas trouver la vitesse en 2 qu'il te faudra pour y arriver. Mais toi, ce que tu cherches, ce n'est pas la vitesse en 2, c'est la hauteur en 1. Or, il y a conservation de l'énergie. E1, c'est égal à E2, c'est égal à E3, c'est égal à E4. Vous voyez, tout du long, j'ai E1 égale E2, égale E3, égale E4. Ça, c'est la conservation de l'énergie tout le long du mouvement. Et donc ici, je pourrais faire directement E1, c'est égal à E3. Donc j'ai Monsieur, conservation de l'énergie, oui. genre on pourrait pas prendre E2 et E3 pour calculer la hauteur et V3, genre. Ben regarde, si je fais E2 égale E3, en E2, j'ai 1 demi MV2 carré plus MG 3R et en E3 j'ai un demi MV3 carré plus MG 3R. Donc je suis à la même hauteur, donc ça je peux enlever. Mais tu vois, ça va juste me permettre de trouver la vitesse que je dois avoir en 2 pour avoir la vitesse que je dois avoir en 3. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas la vitesse que je dois avoir en 2. Moi ce qui m'intéresse, c'est H. Ah, ok. Alors après, tu pourrais faire E1 égale 2. Hein. Mais plutôt que de faire E3, c'est d'abord égal à E2, et puis E2, c'est égal à E1, bah, tu peux aussi tout de suite y aller en disant E1 doit être égal à E3. C'est un peu plus rapide de prendre tout de suite ce dans quoi on a ce qu'on cherche. Ok. Dit autrement, en fait, tu cherches l'énergie que tu dois avoir au point 1 pour réussir ta cascade en 3. Donc ici, je peux faire tout de suite E1 égale E3. Et tu vois que l'avantage, ça va me dire MGH est égal à mon énergie en 3, donc 1 demi MV3 au carré plus MG 3R, sachant que du coup, j'ai mis mon niveau 0 ici. Et tu vois que cette fois-ci, j'ai tout de suite H qui vient rentrer dans mes inconnus.
Ah, parce qu'on l'avait trouvé. Ah, ok. Pas parce qu'on l'a trouvé. Alors là, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez déjà le voir dans la réponse, en fait, hein. Le H que je vais Non, parce que trouver. quand on Oui, avait vas-y. commencé, on l'avait trouvé, non, tu? Alors, on l'a trouvé pour réussir la cascade du looping. Maintenant, on regarde le H qu'il faut pour réussir la cascade suivante. Et ils ne seront pas nécessairement identiques. Si je te dis, tu dois courir à quelle vitesse pour faire 100 mètres en 20 secondes? À 18 km par heure. Et si je te dis, maintenant, tu dois courir à quelle vitesse pour faire 50 mètres en 5 secondes? Eh bien, ça va pas être la même chose, quoi. C'est deux activités différentes. Même si tu le fais les deux de suite, tu auras des réponses différentes. Mais ici, pour réussir le looping 2, on va trouver 60 mètres. Pour réussir le décollage, on va trouver 76 mètres. Donc, ce sont des H différents. Là, méfiez-vous, c'est vrai que souvent, quand vous faites ce genre d'exercice, vous remplacez H dans la deuxième version, mais c'est pas la même hauteur, en fait. C'est la hauteur pour réussir le looping et c'est la hauteur pour réussir le décollage. Ce sont deux hauteurs différentes. Monsieur, mais ce que vous venez de dire là, ben on le voit dans le schéma, non? C'est logique, non? Ça dépend de chacun. Ça dépend d'à quel point vous avez beaucoup d'intuition ou pas. Ah, mais ce que on voit que au 1, ben la hauteur elle est grande et au 3 elle est un peu plus petite, je pense, non? Ah non, 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 attention, c'est la même hauteur. Hein. Donc, la question que je pose, première Ah, question, c'est la c'est même hauteur. de où est-ce que je dois partir ici pour réussir à faire ça? La deuxième question que je pose, c'est de où est-ce que je dois partir d'ici pour réussir à faire ça? Ah, ok. Vous négligez le looping. Qu'est-ce qu'il y a? Négligez le looping. Alors, il y a le looping. Mais en fait, par conservation d'énergie, peu importe ce qui se passe ici, ça va donner la même chose. Sauf si vous n'arrivez pas à faire une de ces boucles-là. Mais tant que vous y arrivez, vous avancez. Et donc, par conservation d'énergie, peu importe ce qui se passe entre le premier point et le deuxième point, que ce soit quelque chose qui fasse comme ça ou que ce soit quelque chose qui fasse comme ça, c'est pareil. Tant que vous n'êtes pas Monsieur, bloqué là, évidemment. Oui? vous voyez le H qu'on a trouvé au A? C'est le H qui est juste à côté du 1. Et le Là. H qu'on cherche au 2, c'est le même H. Je vais vous faire un exemple. Ok. J'aimerais bien réussir mon looping. Je trouve pour ça que mon H, il doit être 60 mètres. Si je pars de 60 mètres, je suis tout content, j'arrive à faire mon looping. Mais après, il y a la suite, il y a la suite de la cascade, il y a le saut ici. Et bien, si je reste à 60 mètres, je rate mon saut. Je reste collé ici tout du long. Du coup, vient la question B de savoir. Oui, mais moi j'ai aussi envie de réussir le saut ici. Et bien pour ça, on va trouver qu'en fait la hauteur qu'il vous faut, c'est 76. Oups, pas la bonne couleur. C'est 76,5 mètres. Si je pars de plus haut, alors je réussis toujours mon looping. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein, puisque je suis au-dessus de 60 mètres. Mais en plus, je réussis le saut ici. Vous comprenez? Ouais, plus ou moins. C'est un peu sans parler d'énergie. Allez, comment sans rentrer dans la conservation de l'énergie. Pour le prendre différemment, vous êtes en voiture et on vous demande de passer deux loopings. Ben, la question A. C'était, il faut quelle vitesse pour réussir à faire le looping ici? Et vous allez trouver, ah, ben pour réussir le premier looping, il faut rouler à du 50 km par heure. La question B, on vous demande, il faut quelle vitesse pour rouler ici, pour réussir à faire le looping? On parle de la même vitesse, hein, la même vitesse que vous devez avoir au départ. Et là, vous allez trouver peut-être qu'il faut 100 km par heure. Et donc, vous allez déduire quoi? C'est que pour réussir mes deux loopings, ben, il faut faire du 100.
Avec du 100, je réussis le premier et le deuxième. Avec du 50, je réussis le premier, mais pas le deuxième. Avec du 70, je réussis le premier, mais pas le deuxième. Du 80, le premier, mais pas le deuxième. Du 200, les deux. Ici, on regarde, tiens, mais ma hauteur ici, qui va être liée à la vitesse qu'on va avoir, hein, puisque mon énergie potentielle va se convertir en énergie cinétique, je trouve que pour réussir le looping, il faut partir de 60 mètres. Et pour réussir le saut, il faut partir de 76 mètres. Et donc, si vous voulez construire ça, vous allez dire à votre chef, bah, si tu voulais juste le looping, 60 mètres, ça suffirait. Par contre, si tu veux réussir le saut, après, il faut monter à 76,5 mètres. Ok. Je comprends. Ouais, vous avez compris ? Oui. Les autres aussi ? Donc, H, ça représente la même chose conceptuellement. C'est la hauteur au début. Mais la hauteur au début, il y a plusieurs conditions. Je pourrais demander de réussir le looping, je pourrais demander de réussir le saut, je pourrais demander d'autres choses. Donc ici, on résout étape par étape. Imaginons qu'à la base, je ne savais pas si ça allait être plutôt le looping ou le saut qui allait me bloquer. Bah, je calcule les deux. Pour le looping, il faut partir de 60 mètres. Pour le saut, de 76,5 mètres. Et donc pour réussir le tout, bah, il faut prendre le plus grand, 76,5. Ça va, je peux revenir ici ou on discute encore un peu? Je reviens ici alors. Donc, dans cette équation-ci, où j'avais écrit donc mon énergie en 1 est égale à l'énergie en 3. Donc, l'énergie en 1, là, j'ai que l'énergie potentielle, MGH, qui va être convertie en une certaine énergie cinétique, mais comme je ne vais pas tout en bas, j'ai encore une énergie potentielle. Dans ces équations, je peux simplifier M et dire qu'au fond, moi, ce que je cherche, c'est le H minimum pour réussir ma cascade. Si je prends le minimum, je peux remplacer V3 au carré par ce qu'on avait pris ici pour réussir à décoller, c'est-à-dire par G3R plus G3R. Je peux simplifier léger, et je tombe donc sur ma hauteur minimale, c'est égal à 3 demi R plus 3 R. Et là, comme d'habitude, soit vous vous dites que 3 demi c'est 1,5, donc ça fait 4,5 R, ça c'est une méthode, soit vous remplacez, vous calculez, vous avez la réponse finale, soit on peut mettre au dénominateur commun, et ça fait 9 demi R. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez, tant que vous arrivez comme réponse finale à 76,5 mètres. Donc, on peut faire une mini conclusion. Hein. Pour réussir le looping, H doit être plus grand ou égal à 59,5 mètres. Ça, c'était le point A. Pour réussir le saut au point 3, il faut que H soit plus grand ou égal à 76,5 mètres. Et ça, c'est le point B. Et donc, si je veux réussir tout, le looping et le saut, il faut que je sois plus grand que 76,5 mètres. Monsieur ? Oui ? J'ai une question. Je comprends pourquoi vous avez remplacé l'exposant de V3 par G3R. C'est parce qu'il est plus grand ou égal à G3R ou... Oui, c'est ça. C'est ça. V3 au carré, si tu prends la plus petite valeur, c'est égal à G3R. Ok. Parce que si tu prends pas cette valeur-là, bah, tu es plus grand. Tu vois, c'est la partie la plus grande. Ah ouais. Et c'est pour ça ici, j'ai mis qu'on était vraiment à la hauteur minimale.
Ah ouais. J'aurais pu écrire ça comme ça, mais je pense que c'est plus perturbant pour vous. Monsieur, Oui? ici vous avez le M au-dessus, juste en dessous de E1 est égal à E2, E3. Vous avez Ici? barré les, ouais, vous avez barré les M. Pourquoi vous en avez barré 3? Pourquoi j'en ai barré trop? 3, parce que d'un côté vous avez barré 1, vous devez aussi barrer 1 de l'autre côté aussi. Alors, quand tu veux barrer, il faut qu'il soit dans tous les termes. C'est pas un pour un. La justification de ça. Oups. La justification de ça, c'est que en fait, bon, quand tu as l'habitude, tu retiens que tu mets tout en. Il faut le supprimer partout. Mais la justification de ça, c'est qu'en fait, ici à gauche, je peux dire que c'est m fois gh. Et à droite, tu peux dire que c'est m fois 1 demi V3 au carré. Tu vois, je mets en évidence. J'ai sorti le m devant là. Et je vais mettre le m ici aussi en évidence. Donc ça va être plus g3r. T'es d'accord avec moi que je peux écrire ça comme ça? Et Et donc, ici, si je veux enlever le m, je peux le faire passer de l'autre côté, ça devient divisé par m. Et donc, tu vois que ça fait 1. OK. C'est pour ça qu'il doit y avoir partout, en fait. C'est ici, je fais m fois 1 demi v3 carré plus m fois blablabla. D'ailleurs, ça, c'est important. Hein. Si j'ai 5 plus 1 demi égale 4, si je veux enlever le 4 ici, je dois faire divisé par 4 sur le premier terme, divisé par 4 sur le deuxième terme et divisé par 4 ici. Tu vois, il apparaît sur chacun des termes. Parce que quand tu multiplies, quand tu divises, ça le fait partout. Okay. Les fois où c'est 1 à 1, c'est pour les additions et les soustractions, où tu bouges un membre. Par contre, les multiplications, ben là, ça touche tout ce à quoi ça touche. Ok, alors je vais faire en mauve. On vous demande aussi c'est quoi la vitesse du coup, si jamais on était à cette hauteur-là. Ben, on a déjà ici la vitesse. V3, si je regarde vraiment la vitesse minimale, c'est égal à la racine de G3R, juste en partant de là. Et donc le V3 minimum pour décoller, c'est égal à 22,58 mètres par seconde si je tape ça à la calculette. Donc dans cet exercice, on vous demandait de trouver la hauteur minimale pour décoller et la vitesse donc minimale pour décoller. Ben, la vitesse minimale, il suffit de remplacer ici dans le cas minimal, c'est-à-dire quand on est juste égal à g3r. Et rappelez-vous d'où ça venait, hein, ça vient du fait qu'on demande que la force centrifuge soit plus grande ou égale au poids. C'est toujours bon? Monsieur, Oui? ici vous avez écrit H plus grand ou égal à 59,5 mètres, et après entre parenthèses le poids. Le point. Hein, le point. Pour les, tu vois, l'exercice A. Ok. C'était le point A de l'exercice. Ah, ok, ah ouais, ça j'aime. Pour écrire peut-être hop, ça c'était la partie A et ça c'était la partie B, c'est plus clair comme ça. Ok, donc je sais que là, on va faire le C. Ma vitesse en 3, c'est 22,58 mètres par seconde. Imaginons que j'arrive à cette vitesse-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous demande, en fait, voilà, si on part d'une hauteur de 76,5 mètres, ce qu'on venait de faire ici, si je pars de 76,5 mètres, j'avais une vitesse en 3
de 22,58. On vous demande, ok, j'ai donc une vitesse ici, paf, qui vaut 22,58. Jusqu'où est-ce que je vais aller? C'est-à-dire, quelle est la distance D ici que je vais faire? Est-ce que ça vaut la peine de mettre un grand matelas pour attraper les gens comme ça? Ou est-ce que je peux juste en mettre un ici, avec un peu de marge d'erreur pour être sûr quand même, hein, mais pour rattraper les gens après mon saut? C'est ce qu'on va se poser dans cette dernière partie, la question C. Alors là, je vous parle de vitesse, je vous parle de distance. À votre avis, qu'est-ce qu'on va employer? Alors ici, en fait, c'est un tir parabolique. On part du sommet, et puis vous voyez, ça fait une sorte de parabole quand on descend. C'est donc de la cinématique. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on faisait pour résoudre des exercices de cinématique? Qu'est-ce que je pourrais faire pour commencer ça? Un système d'axes. Un système d'axes. Lequel? Comment? On dit que quand Y, enfin 0, quand ça touche le sol. Ok. Et donc mon point 0, 0, je le mets où? Position 3, non? Enfin, tout en bas de la position 3. Ouais, seul. C'est ça. Ça, je pense qu'il y a, comme d'habitude, il y a plusieurs choix possibles, mais de mon point de vue, c'est le meilleur, le plus simple. Avec X ici et Y ici. Mais donc ça, c'est un très bon réflexe. Quand on est en cinématique, c'est important où est le 0. Alors ici, on le voit déjà sur le schéma, mais moi, j'aime bien compléter. Ici, on a une hauteur donc de 3R. Et ici, on est en quelle position? On est en 3R plus petit d. OK, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on faisait? Les équations de position, non? Exactement, ce qu'on appelle les équations du mouvement. Qu'est-ce qui décrit un mouvement? Il y avait trois variables, si vous vous souvenez. Il y a l'accélération. Et l'accélération, quoi d'autre? La vitesse et la position. C'est ça. Alors la position, je la note comment? X de t. Pourquoi X? Parce qu'on est sur l'axe des X. Voilà, donc ici, il faut faire attention, c'est un mouvement à deux dimensions. Donc je vais les avoir selon X, avec l'accélération selon X, la vitesse selon X et la position selon X. Et je vais les avoir selon Y, avec l'accélération selon Y, la vitesse selon Y et la position selon Y. Ça, n'oubliez pas. Ok, du coup, que vaut mon accélération selon X? Tiens. On l'a trouvé, non? C'était pas 22,6. Je sais pas si on l'a trouvé, si on est au C là. On est au C, on est au C. Ben, on l'a trouvé. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est la non, vitesse. C'est la vitesse, même. Monsieur. Oui. L'accélération. C'est 10 mètres par seconde.
Ah, x c'est pas de 0, genre là où il y a le là où il y a le 0 quoi, jusqu'au 3r plus d ou L'accélération, c'est pas. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux dire. Répète. J'ai dit l'accélération, c'est en fait la distance, genre de l'accélération, c'est entre 0, le rayon 3R, entre 0 et 3R plus D. Oui, ça, C'est-à-dire. c'est le mouvement qu'on va considérer. Et quelle est l'accélération selon x? Voilà, entre ce moment 0, enfin cette position 0 et cette position 3r plus d. Je sais pas, 10 mètres par seconde. Alors, 10 mètres par Au carré. seconde. Je suis. Alors voilà, bon, ça c'est une première chose, mètre par seconde carré. Je suis à moitié d'accord. Pourquoi tu m'as dit 10 mètres par seconde? Parce qu'il y a, y a que la gravité qui joue quand on est au milieu. Voilà, et la gravité, elle tire dans quel sens? Le bas. Vers le bas. Et donc ça, c'est moins 10 mètres par seconde. Okay. 10 mètres par seconde carré. Et donc c'est selon Y. Selon X, du coup. C'est zéro. Il n'y a rien. Là, vous pouvez le voir quand mon chariot, vous pouvez l'imaginer. Hein, j'avais la pente ici. Mon chariot, à un moment, il est dans les airs. Si ça vous aide, vous pouvez l'imaginer là. La seule force qu'il y a dessus, c'est son poids. Sauf s'il y avait des frottements avec l'air, mais on les néglige. Et donc, comme j'ai la somme des forces est égale à ma, bon, en fait, j'ai ici le poids, c'est égal à m. Ah, y a pas le choix. C'est la seule force qu'il y a, et mon poids il va vers le bas, et donc l'accélération que j'ai, elle va vers le bas, elle vaut moins 10 mètres par seconde au carré. Monsieur, peut-être que je vais ce que je suis en train de demander, mais le moins le 10 là, vous l'avez enlevé où? Genre, c'est dans une formule ou c'est, je sais pas. C'est le fait que l'attraction de la Terre sur toi, c'est petit g. Petit g, c'est 10 mètres par seconde au carré. Maintenant, ici, il faut faire attention. Petit g te tire vers le bas. C'est un vecteur, en fait, hein. Et nous, on a mis notre système d'axe ici, y, vers le haut. Donc, comme petit g, il va vers le bas, tu as un moins. Et la valeur de petit g, c'est 10. Ah, d'accord. Voilà, attention, ça commence à être. Vieux, oubliez pas ça trop vite, parce que en mécanique, vous voyez qu'on est dans le chapitre d'énergétique, mais on touche un peu à tout. On a déjà fait de la dynamique, on a fait des forces centrifuges, ici on fait de la cinématique, donc tout se mélange assez vite en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est pour ça que dans ce cours-ci, on vous demande beaucoup de travailler à la maison pour pas vous faire larguer par le cours. Sinon, à un moment, vous allez juste déconnecter. Ok. Alors, c'est quoi la formule de la vitesse au cours du temps? Vitesse initiale. C'est la vitesse initiale. Plus l'accélération fois le temps. Plus l'accélération fois le temps. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai chaque fois ajouté y, parce qu'on est bien selon y. Et donc, ça vaut quoi? C'est quoi ma vitesse initiale selon Y, d'après vous? Alors ici, on considère le moment où on arrive tout juste là à décoller. Donc ma vitesse, en fait, elle va être comme ceci, perpendiculaire. Je vais partir comme ça. Je ne vais pas partir vers le haut, parce que ça voudrait dire que je décolle plus tôt, ça. Si je suis juste à la hauteur minimale, je pars en ligne droite comme ceci. Et donc ma vitesse, elle est comme je l'ai dessinée là. Elle est bien horizontale. Donc Monsieur, elle va partir vous comme ça. bougez votre flèche. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, est-ce que vous bougez votre souris? Parce que, ah, voilà ça. Oui, je bougeais ma souris. Elle. Ah, J'ai ça parfois un bouge. peu de temps, il y a parfois un peu de latence. Et du coup, monsieur, la vitesse, c'est 22,50. C'est La V3. vitesse, c'est 22, oui, c'est V3, c'est 22,58, mais selon Ouais. X. Selon Y, ma vitesse initiale vaut 0. Selon X, elle vaut 22,58 et elle va rester 22,58. Parce qu'il n'y a pas de force
selon x, il n'y a pas d'accélération selon x, donc je vais garder cette vitesse-là. Alors que selon y, je vais perdre de la vitesse. Perte de la vitesse, en fait, j'avais une vitesse nulle, mais elle va juste devenir négative vers le bas. C'est ce qui fait qu'au lieu de partir après votre saut en ligne droite, ben vous allez tomber. Pourquoi? Parce que j'ai une vitesse vers le bas ici, VY, qui grandit. Alors que selon VX, ça reste la même chose. Ça va, c'est revenu ou il y a toujours de la latence quand j'écris? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, cool. Ok, du coup, que donne l'équation des positions selon x et selon y? Position, c'est 3R pour y. Ouais. Alors, je vous propose de recommencer par la formule pour se faire un petit rappel. C'est quoi la formule de la position? Position initiale. Plus vitesse initiale fois le temps. Plus l'accélération au carré divisé par 2. Comme ça? Non, AX carré. Accélération fois le temps. Okay. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Plus 1 demi AY T carré. Et donc ici, si on remplace, vous me dites que la position initiale, c'est 3R. La vitesse initiale, on vient d'en discuter, c'était 0. Plus 1 demi fois moins 10 t carré. Et donc ceci, si je l'écris rapidement, c'est 3r moins 5 t carré. Ça, c'est mes équations selon y. Selon x, c'est quoi ma position initiale? C'est 0. C'est 0. Plus la vitesse initiale, donc 22,58 fois t. Donc j'ai juste 22,58. Ok, là j'ai mes équations. Maintenant, je cherche la distance D. Donc, je cherche des informations sur cet endroit-là. D'après vous, comment est-ce que je pourrais faire ça? J'espère après le même exercice qu'avec le... La personne qui veut rattraper son train. C'est la même matière, mais pour le train, c'est différent. Le train, tu as deux objets et tu demandes qu'ils soient à la même position. Ah, okay. Ici, tu as un seul objet. Donc, c'est le même exercice que le tir parabolique. Vous savez, où il y avait un enfant avec un fusil, il tirait et ça faisait un truc comme ça. On vous demandait la hauteur, la distance. Mais ici, c'est la même chose, sauf que si vous voulez, votre fusil, au lieu d'être en bas, vous tirez comme ça horizontalement. Un peu comme si vous aviez un pistolet à eau, vous voyez? Bon, ici, il n'y a pas le choix. En fait, vous ne posez pas trop de questions. Je cherche des informations sur D. D, le seul endroit où on en parle, c'est là. D'accord avec moi? Oui. Et donc, qu'est-ce que je connais là-bas? Est-ce que je connais le temps pour aller là-bas? Non. Est-ce que je connais ma vitesse là-bas? Non. Alors attention, parfois vous me dites « Ah, mais la vitesse sera nulle ». Il faut chaque fois regarder juste avant de toucher le sol. Juste avant de toucher le sol, ma vitesse n'est pas nulle. Ce qui fait que ma vitesse devient nulle, c'est parce que vous êtes freiné par le sol. Mais si vous regardez juste ce qui se passe dans l'air, il n'y a pas de raison d'arriver à vitesse nulle en bas. Tout ce que vous connaissez là-bas, c'est quoi d'après vous? Oui. La vitesse, ce n'est pas 22,58. La vitesse, selon x, ce sera 22,58. Selon x. Selon y, bah, il faudra regarder le temps. Ok. Qu'est-ce qu'on connaît là-bas, en 4? Qu'on connaît entre guillemets, hein, qu'on sait expliquer mathématiquement, qu'on sait écrire. Est-ce que je connais l'accélération en 4? Ouais. En soi, oui, elle est constante, c'est 0 et moins 10. Est-ce que je connais la vitesse en 4, c'est 22,58, mais la vitesse selon y, je ne connais pas. Là, pur inconnu.
Est-ce que je connais la position en 4? Non. Ouais, on la connaît, il faut juste remplacer par R. C'est ça. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 6 possibles. AX, VX, X, AY, VY, Y. Donc ici, la position... Alors, je vais noter ça de T4. Vous voyez, au moment où je suis là-bas, en 4, je suis en position selon X qui est de 3R plus D. Et ça, c'est égal, par la formule ici, à 22,58 fois T4. Mais je connais aussi la position selon Y. C'est quoi ma position selon Y en T4? 0. 0. Et ça, c'est égal, grâce à ceci, à 3R moins 5T4 au carré. Je vais appeler ça l'équation 1 et l'équation 2. Monsieur ? Oui ? L'équation 1, pourquoi vous avez écrit 3R plus D est égal à 22 ? Je n'ai pas très bien compris. X de T, c'est la position au cours du temps. Oui. Si je regarde la position au temps 4, je suis ici en position 3R plus D. T'es d'accord avec moi pour cette partie-là ? Oui. Je peux aussi écrire x de t, c'est la position initiale, 0, plus la vitesse initiale fois le temps, plus l'accélération, il n'y a pas d'accélération. Si je regarde ça au temps 4, ça veut dire qu'ici, je regarde ça au temps 4. Et tu vois que les deux sont égaux, donc les deux ici sont égaux. Oui, c'est ce qu'on fait toujours en cinématique, toujours, toujours, toujours. On regarde ce qu'on connaît, entre guillemets, on essaie de trouver ce que vaut ceci à un certain moment. Et alors, on l'exprime avec la formule et avec ce qu'on observe. Okay. Donc, si je reprends 2. 2, c'était quoi? C'est y, t, oups. 2, c'était quoi? C'est ceci, 2. C'est 0 égale 3r moins 5t4 au carré. Donc si je résous ça, je peux faire passer le 5t4 au carré de l'autre côté. Je peux faire passer le 5 de l'autre côté comme ceci. Ça devient une division, hein, c'est une multiplication à gauche. Et donc j'ai que t4, c'est égal à 3r sur 5 sous la racine. Ça va ça pour tout le monde ou pas encore ? Et donc, je trouve que T4, c'est 3,19 secondes. Ouais. Et maintenant, je peux employer 1. 1, c'était 3R plus D égale 22,58 fois T4. Ce qui veut dire que D, c'est égal à 22,58. T4, c'est 3,19. Et ici, je fais passer 3R de l'autre côté, donc moins 3 fois R. Si je remplace ceci, je tombe sur 21,11 mètres. Alors vous voyez que dans l'énoncé, j'avais arrondi ça à 21 mètres. Et c'est fini. Monsieur ? Oui. J'ai une question. Vous voyez, par exemple, on peut aussi utiliser les dérivés pour, par exemple, on a la vitesse, si on veut trouver l'accélération, on peut dériver. Genre, on peut utiliser cette méthode ou non? Qu'est-ce que tu veux dire par dériver? Qu'est-ce que tu ferais? Bah, par exemple, là, pour Vy de T, si on a les données, ben, on dérive et on trouve l'accélération. Tu peux, mais c'est un peu le monde à l'envers. Pourquoi ? Parce que ce que tu connais, c'est l'accélération. C'est pas la vitesse. Ce que tu sais, c'est qu'il y a une force qui fait moins 10. Et donc, ce qui aurait plus de sens, c'est d'intégrer ton accélération pour trouver la vitesse.
Ah ouais. Toi, si tu écris déjà que ta vitesse, c'est égal à moins d'IT, bah comment tu as su ça? Bah parce que ici, tu as mis l'accélération. Et donc, ce serait un peu bizarre de dire je vais la dériver pour trouver l'accélération alors que bah, tu la connais. Maintenant, si pour une raison obscure, pour toi, ça te semble plus simple comme ça, moi, tant que vous y arrivez, hein. Ça me va. Mais ça m'a l'air plus compliqué pour pas grand-chose. Voilà. Eh ben, 10h30, on a fini juste ce que je voulais. Donc c'est parfait. Voilà, ça c'est un gros exercice en fait, bien récapitulatif. Vous avez eu besoin de force centrifuge, vous avez eu besoin de cinématique, vous avez eu besoin d'énergétique. Franchement, c'est un exercice qu'on peut juger compliqué. Voilà, j'espère que vous l'aurez bien compris. Je vous souhaite une bonne semaine. Courage, accrochez-vous. Il ne reste plus que quelques semaines et puis le blocus. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, moi, j'arrête l'enregistrement ici. J'ai une question. Je t'écoute.